Bienvenue dans Spécial Investigation, l'émission qui contre-enquête notre monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fourrières. Rien qu'à Paris, 800 véhicules sont enlevés tous les jours. Qui n'a pas vécu cette mésaventure désagréable de ne plus retrouver sa voiture où il l'avait garée? Mésaventure coûteuse, le système rapporte 23 millions d'euros chaque année au pouvoir public. Mais est-il légal? La question peut sembler incongrue et pourtant, notre enquête va vous révéler qu'il y a une faille dans le système. Beaucoup de conducteurs de véhicules de fourrière ne sont pas titulaires du permis de conduire requis. Cette faille pourrait d'ailleurs ouvrir la porte à de multiples contestations. L'État ferme les yeux, comme il ferme les yeux à Roissy, sur le tarmac de l'aéroport. Des conducteurs de poids lourds y circulent sans posséder eux non plus le permis adéquat. Comment expliquer cela?